Salut, évidemment. Alors, ce soir, je vais te présenter un petit peu ce que je mange quand je mange. Alors du coup, là, je suis en fait, j'en profite parce que j'allais faire à bouffer. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai pas. Des fois, je me prévois un peu des menus, en tout cas des plats comme ça. Je peux faire des courses en fonction, etc. Là, j'ai rien fait du tout. J'ai juste mis le nez un peu dans mon placard et mon frigo, etc. Je vais improviser un truc. Je sais pas encore, mais déjà, je vais pouvoir te montrer un peu les ingrédients que j'ai dans mon placard, dont je me sers plus ou moins régulièrement pour me nourrir. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Là, ce soir, là, je pense à un plat et à peu près comme d'habitude, me faire un jus. Pour cela, pour le jus, du coup, j'ai de la blé, beurre de cacahuète, là, j'ai de la banane, des kiwis, le petit citron, un jus. Donc ça, c'était pour le jus. Maintenant, il y a le plat. Donc le plat, bah, pour l'instant, j'ai quoi ? J'ai des carottes violettes. Je vais sûrement me faire du céleri, accompagné d'un chou, des lentilles rouges, des noix. Et alors je le fais pas souvent ça parce que d'habitude j'aime bien vraiment juste les aliments crus ou en tout cas non transformés. Mais des fois j'ai des petits trucs comme ça. Donc ça c'est pas du soja, c'est du seitan, donc de la protéine de blé, un peu de mangue. Si je suis chaud, peut-être que je m'accompagnerai ça d'un petit d'un peu de riz ou quelque chose, je sais pas exactement, je vais voir. Je pense qu'il y aura du riz, ouais. Ça c'est pour la présentation de les trucs avant. Et puis bah on va voir comment ça se passe après, si je suis assez satisfait. Donc voilà. Hop, le smoothie, ça c'est fait. Du coup, j'ai mis toute la blette que je vous ai montré. 4 bananes, une cuillère à soupe. 2 beurre de cacahuète, j'ai mis une moitié du citron. 2 kiwis et... le lait de riz. Le lait de riz. Et écoutez, bah en vrai, c'est bon. C'est bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Maintenant, je vais passer à la suite de mon repas. Du coup, comme prévu, ça remet de côté. Donc du coup, je sais pas du tout ce que je vais faire. Comme j'ai prévu quand même de faire des lentilles, on va les faire chauffer en premier, ainsi que le riz. Ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais rincer les légumes, brosser les carottes, et c'est tout. Parce qu'en fait, comme là, j'ai acheté des aliments bio, je fais confiance dans les producteurs, et je consomme l'aliment avec la peau. Une des parties les plus riches, en fait, si ce n'est la partie la plus riche, des légumes et des fruits. Pas magnifique, mon pote ? Bien sûr que ça l'est. Alors comme le riz et les lentilles corail ont tendance à avoir le même temps de cuisson, j'aime bien les faire cuire ensemble parce que c'est plus pratique, c'est moins chiant et enfin vous me comprendrez quoi.